concours de l'année. Élisez l'élève la plus populaire, la plus prometteuse et la plus photogénique. Vous pouvez déjà voter pour moi dans ces trois catégories. Vous avez vu Mandy? Non mais franchement, elle a pas honte. Il manquerait plus qu'elle soit élue l'élève la plus photogénique. Oh. On la verrait en page 3. C'est la plus convoitée. Mmh. Parce que quand on ouvre le livre d'or, on ne voit que ça. Si ça se produisait, ce serait un vrai désastre. Alors pour éviter cette tragédie, il faut voter pour moi. Salut, je suis Clover. Je concours pour le titre de la plus photogénique. Et n'oubliez pas que voter pour Clover, c'est voter contre Mandy. Oh. C'est très loin de la vue imprenable sur l'océan à laquelle je m'attendais au moment où on m'a invité à faire une croisière de rêve sur un bateau de luxe. Ouais, et moi, où est ma suite avec jacuzzi? C'est ça, une croisière. Surtout une belle escroquerie, oui. Non, ce n'est pas une escroquerie. C'est un plan diabolique. Oh, oh. Terrence? Mon cher Terrence, quel plaisir. Soyez les bienvenus dans mon nouveau quartier général. D'ici, nous pourrons enfin vaincre Jerry et les Spies une bonne fois pour toutes. Avouez que le lieu est stratégique. Oh oh. Ce lieu stratégique est parfait si on est une sardine. Moi, je me sens à l'étroit ici, faut que je puisse bouger. Bien, si la chose ne vous convient pas, je vous réexpédie sur le champ dans les cellules froides et inhospitalières du Whoop, d'où je vous ai fait sortir. Parfait, dans ce cas, poursuivons. Permettez-moi de vous présenter Myrna de la Périne, Helga von Kogen, Pokikos, salut, et Tim Scan. Nous sommes donc les nouveaux ultra méchants pour liquider et opprimer les Spies. Les N-U-L-O-S. As-tu pensé que les N-U-L-O-S, ça donnait les nullos? Ouais, là c'est pas possible. Tonnerre! Il est trop tard pour en changer maintenant! Il est déjà imprimé sur tout ce que j'ai commandé, t-shirts, fantaisie, porte-clés, babioles diverses! Il faudra nous en accommoder! Mort du calme! Maintenant parlons tactique. Qui de vous a un plan pour en finir avec les Spies? Eh bien, alors, proposez quelque chose! Vous êtes endormi ou quoi? On se réveille! Qui a une idée? Ça va venir. Non, enfin, si, on pourrait... Moi, j'en ai une. On a qu'à y changer toute leur tenue contre des vêtements gonflables et pouf! Avec ça, ces trois petites punaises s'envoleront dans l'espace. Autre chose? On n'a qu'à implanter des micro-récepteurs hypersensibles dans leurs petites têtes et balancer de la musique à fond, ça va les rendre totalement barjots. Finalement, le choix du nom Nullos me semble parfait pour vous, c'est du sur-mesure. Ça y est, j'ai trouvé comment faire pour nous en débarrasser. Choisissez Clover pour le titre de la plus photogénique. Et comme chaque voix compte, n'hésitez surtout pas à voter deux fois chacun. Clover, c'est moche, tu vas ressembler à Mandy. Oh oui, tu as raison. Trop s'investir dans une campagne donne mauvaise mine. Par conséquent, je vais m'offrir une séance chez Fab Photo pour ma parution en troisième page. Ils ont des visagistes, des maquilleurs artistes, des stylistes et des aromathérapistes. Compris, abrège la liste. Je cours me faire un masque des incrustants pour m'y préparer. T'as pas rendez-vous avec un garçon ce soir? Quand on mène une campagne, on s'impose des restrictions. Mais vous, est-ce que vous avez une excuse? Oh, c'est vrai, depuis combien de temps on n'a pas eu ne serait-ce qu'un garçon en vue? Ne regardez pas tout de suite, mais voilà qui va nous permettre de nous rattraper. Oh, je vois triple les filles, c'est magique. Salut, je m'appelle Clover et je vous le dis tout de suite, je vous trouve très... Nouveau. Sans doute parce que vous êtes nouveau. Oui, c'est notre première journée. Je suis Skyler et voici mes frères Tyler et Wyler. On vient d'arriver du Canada. On était au lycée Westlake, Calgary. Vous devez vous sentir seul loin de chez vous. Peut-être qu'on pourrait vous faire visiter la ville tout à l'heure. Ce serait super, ouais. Alors on se retrouve à la sortie, d'accord? Oui. Canadien pour chacune de nous, oh là là! Apparemment, la chance nous sourit et le vent tourne. Si c'est ça que t'appelles la chance, je veux plus! Aïe, oui, je sais, c'est dur. Oh, cette moto est géniale, on y aura droit! La Nuco Turbo 9000 est la première moto du groupe à propulsion nucléaire. Enfin, quand la technique sera au point, elle le deviendra. Les filles, j'ai une nouvelle contrariante. Terrence s'est évadé. Mais apparemment...
Apparemment, vous lui avez involontairement aidé, Jerry. Et bizarrement, quatre autres prisonniers de la pire espèce se sont aussi volatilisés. Selon vous, ce n'est pas une coïncidence? Je connais mon frère, il y est sûrement pour quelque chose. Qui sait de quoi sont-ils capables? Alors prudence et restez sur vos gardes. Pour assurer votre protection, voici une sélection de gadgets. Mini planche de surf autopropulsée, oreillette micro-récepteur ultra-sensible, mini bombe très dissuasive, et pour finir, une nouveauté, la barrette commutateur de pôle électromagnétique capable d'inverser la trajectoire du courant dans tous les câbles. Et en plus, elle est ravissante. Bon, les Super Spice, les gadgets, c'est une chose, mais j'espère que c'est grâce à vos nouvelles techniques d'arts martiaux que vous allez mettre le feu. Une petite démo vite fait? Attendez, l'ambiance appropriée. Oh, c'est génial! J'adore, elle est cool cette musique pour s'entraîner. Prends ça! Oula, je suis hyper en retard. J'ai rendez-vous avec Skyler au musée d'art moderne. C'est ça, oui. Courez à vos obligations sociales si importantes, Super Spice. Mais attention, ouvrez l'œil. Méfiance. On ressent puissamment le dualisme contre les... Les couleurs sombres mariées à des formes acérées et courbes qui représentent... L'humanité luttant pour la paix. Dans un monde où le danger menace et augmente sans cesse. Parmi tous les contemporains, Vanderfloop est mon sculpteur préféré. C'est aussi le mien. C'est vraiment ce qui s'appelle avoir de la poigne. Alors, voyons ce que ça donne. Tiens, regarde. Hé, hey, génial, t'es vraiment éblouissant. À ce point-là, c'est sincère, Tyler. Ouais, tu vas être élue la plus photogénique, c'est sûr. Merci. Tiens, faisons-nous photographier ensemble pour voir comme on est mignons tous les deux. Ouais. Fais un grand sourire. Oh non, pas ça. Attends, Tyler. Pourvu qu'il ne m'ait pas quitté parce qu'il est déjà pris. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique, Wyler? Allez, le match va bientôt commencer. Eh, mais c'est quoi ce délire? Eh, sortez de là, malade! Eh, oh, lâchez-moi! Arrêtez! Vous allez me laisser tranquille! Oh, salut Alex. Bah alors Wyler, mais où t'étais passé? Allons-y, il faut soutenir l'équipe de notre lycée. Beverly Hills, vainqueur! J'ai été agressée par quelqu'un qui était dans les égouts. Et regarde les taches gluantes qu'il m'a faites. Oh. Oh, c'est pas cool. Allez viens, il faut qu'on trouve des places. Pourquoi il est déchiré ton sweat? Mes félicitations, ma très chère Myrna. Vos trois plasmatiques font merveilleusement illusion. Franchement, les filles, je les trouvais très étranges. Et la poigne avec laquelle Skyler m'a serré la main était étrange aussi. Oh, ça va. Pourquoi être si négative? On a trois petits amis aussi craquants les uns que les autres. Il ne faut plus les lâcher. Mais tu nous as raconté que Tyler t'avait brutalement laissé tomber pour un simple flash. Et alors, s'il aime pas les lumières fortes, je lui offre une belle paire de lunettes de soleil et le problème est réglé. Par le
le groove. Ce nouveau centre commercial est génial. C'est l'endroit rêvé pour faire le plein de sucre et d'énergie. Et j'en ai besoin, c'est fou ce que je suis fatiguée. Moi aussi, mais pourquoi? D'habitude, quand on trouve un petit ami aussi mignon, on est en forme. Ils sont peut-être trop mignons, ces trois-là. Moi, Skyler a dû me contaminer. Il avait de la fièvre. Moi, ça peut venir de ce jet de matière gluante. Mon com poudrier identifie une grosse charge négative. Qui vois-je, le trio infernal. Clover, comment se passe ta campagne pour le titre de la plus photogénique? Merci de t'en inquiéter, mais pas de soucis, je pars gagnante. Fab Photo, je suis passée par eux aussi. Ce sont les meilleurs, n'est-ce pas? Pour être capable de te rendre regardable, quel talent! Toi aussi, tu allais te faire photographier chez eux? Je la remettrai pour toi au comité du livre d'or. Il est naturel que j'aille voir car je fais partie de l'équipe. Quoi? Tu fais partie du comité? Que la plus séduisante et la plus convaincante gagne. Oh, les chances fondent à vue d'œil. C'est bon, revenons à l'essentiel, tu veux? Il y a un truc vraiment très bizarre chez Wyler, Skyler et Tyler. Ils sont inquiétants. Inquiétants? Mais Tyler est mon âme sœur, mon élu. Oh, je suis amoureuse. Bon, mais avant qu'ils t'offrent une bague de fiançailles, essayons d'en savoir un petit peu plus sur eux. Ils ont dit qu'ils venaient du lycée Wellesley à Calgary. C'est bizarre ça aussi. Quoi, ils n'étaient pas inscrits? Ni une ni personne, il n'y a jamais eu de lycée Wellesley à Calgary. Je propose qu'on aille chez eux immédiatement pour savoir à qui on a affaire. Moi j'écoute mon cœur, j'ai totalement confiance. Qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dépaysé ici. C'est comme si on était entré par effraction chez nous. Rien ne te paraît bizarre chez Tyler maintenant? Ben là, je reconnais que. Ou alors, il est vraiment mon âme sœur. C'est pour ça qu'il a décoré spontanément sa chambre comme la mienne. Alors là, ça dépasse les bornes. C'est effrayant. Voilà la reproduction exacte de ma chambre. Il y a même mon tapis kaléidoscopique. Venez voir ça. C'est quoi cette tube étrange? Secrète, encore un truc pas net. Monstrueux, on dirait qu'ils se rechargent ou quelque chose dans le genre. Mais alors, ce seraient des robots? Je ne crois pas qu'ils fonctionnent à l'électricité. Ils doivent se recharger avec l'énergie qu'ils nous ont volée et qui les alimente. C'est quoi cette gelée vert pomme? On dirait la matière gluante que sera des goûts m'a envoyée sur la jambe. Regardez. Pas de faux espoirs, les garçons. Notre histoire va s'arrêter là. C'était le triple flip club sandwich, cette attaque. C'est ma signature super spice et perso. Qui lui a appris cette technique? Du lapin équilibriste. Qui lui a montré ma botte secrète? Ça fait mal. Il copie notre déco, nos prises d'arts martiaux. Ne nous prennent pas que notre énergie. C'est notre vie toute entière qu'il s'approprie. On aura bientôt plus de ressources. Pourquoi ils se mettent au garde à vous? Attendez une seconde. Videz-les totalement de leur énergie. Mon micro-récepteur ultra-sensible a capté une fréquence. J'ai une transmission dans mon oreillette. Ils reçoivent des ordres, ils sont manipulés. Je crois reconnaître la voix de Myrna de la Périne. L'ex-gouvernante givrée qui voulait à tout prix épouser Jerry. À présent que les spies se sont neutralisés, je veux que vous infiltriez le siège du Whoop et que vous détruisiez Jerry une bonne fois pour toutes. Fini, Jerry! Poubelle, Jerry!
S'attaquer à Jerry, il faut les intercepter avant. Mais comment? On perd de l'énergie de seconde en seconde, je vois pas de solution. Oh, tu permets, Sam? Oui, tu as raison, Alex. Vas-y, enlève-lui cette barrette, c'est pas du tout son style. C'est pour autre chose, cette barrette commutateur de pôle électromagnétique peut nous permettre d'inverser le sens du feu dans ses tubes. Parfois, t'as du génie, Alex. Essaie. Oh, j'y suis presque. Léo, quand tu t'es fort. Ça y est. La pêche revient, génial. Et maintenant, on file au Whoop, ça risque d'être chaud. Signale des tensions dans votre dos. Je passe en mode relaxant. Ambiance brise murmurant dans les feuillages. Ah. Qu'est-ce que... N'approchez pas. Non. Et voilà des manières. Qui vous a enseigné l'attaque du triple flip club sandwich, jeune homme? Cette botte secrète des Super Spies est vraiment géniale. Ce que j'entends est affreusement familier. Mais je ne vous permets... Lâchez-moi enfin. Alors, prêt à traverser le miroir et enfourcher la bécane du futur? Non, vous allez nous exposer aux radiations du carburant. Ça suffit, les garçons. On ne joue plus. C'est pas marrant. Lâchez-le. Aïe. Oh, la prochaine fois, Sam, pourriez-vous plutôt dire posez-le? Vous avez de bons réflexes? Alors attrapez. C'est que ça! Vite, planquez-vous! Non! La vitre va céder! Je sais pas combien de temps je vais tenir! Elles sont chargées à bloc et moi non! Finissons-en avec elles! Il faudra compter avec moi! Je ne suis peut-être plus très jeune, mais alors d'une souplesse! Vous réalisez que vous allez être irradié en même temps que nous si vous faites ça? Et alors, quelle importance ça peut avoir? C'est évident, oui. Ces robots sont faits de plasma. Ils ne sont pas sensibles aux radiations, mais aux lumières de forte intensité. Je confirme. Et Gladys, on danse? Musique disco et spot plein feu, en piste! Exécution. Mettez-moi ces pantins au frais. Vous ne sortirez qu'après avoir retrouvé votre sang-froid. Excellent travail, Super Spice. Nous n'avons plus qu'à... Ils reçoivent à nouveau des ordres. Gladys, amplifiez le signal. J'ai dit à l'attaque, mon truand plasmatique. Ils ne sont pas très réactifs, Myrna. Vous avez une autre brillante idée? Mais c'est la voix de Tim Scan. Ils m'ont déçu. Et vous, vous m'avez déçu aussi. Ils sont tous ligués dans cette affaire. Et leur objectif commun est d'arriver à nous anéantir. Vous voyez, d'où l'importance de toujours rester sur vos gardes. Oh, à propos de choses importantes, je vais voir si j'ai été élue la plus photogénique. Il faut que je sache. Ça y est, Clover, on a fait le décompte des votes. On va maintenant savoir qui est véritablement la plus photogénique entre nous. J'ai l'intuition que ça va être moi. L'intuition, mais bien sûr, il n'y aurait pas eu de fuite à la réunion du comité. Élève du lycée de Beverly Hills, n'oubliez pas de vous procurer le nouveau livre d'or. Vous y découvrirez le visage de l'élève élue la plus photogénique de l'année, qui n'est autre que... Mandy. Non, j'ai réussi, j'ai gagné, je suis élue, ça y est, tout ce travail, tout le mal que je me suis donné pour corrompre les juges a fini par payer. Égalé par Clover. Eh oui, cette année, le score a été très serré. Les deux gagnantes devront se partager les honneurs. J'ai gagné aussi, on est ex-aequo. Partager les honneurs? Pas question, je refuse de partager quoi que ce soit, et encore moins la page 3 si valorisante de ce fichier livre d'or. Félicitations, Clover. Non seulement tu as gagné, mais tu as réussi à rendre Mandy folle de rage. Oh non! Il manquait de place sur la page. Ils ont combiné nos deux photos, c'est atroce. Oh,
Non, pas ça! Ils m'ont massacré en infligeant certains traits de ce monstre! Non, j'en ai assez de ce bazar. Rallumez. Oh, son charme. Non, c'est monstrueux, il est cassé. Ton bras? Ton dos? Non, mon ongle, c'est pire. Ma vie est fichue. Comment me sentir parfaite si mon ongle est cassé? C'est vrai. Comment survivre à un tel drame? Oh, je t'en prie, hein. Tout le monde sait que dans la vie, l'essentiel, c'est les apparences. Et en plus, c'est ta faute. Si je suis tombée, c'est ta mousse coiffante qui a déséquilibré toute la pyramide. C'est lourd, le bas de gamme, Clover. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant 6 mois en attendant que mon ongle repousse? Il y a une solution. Pourquoi tu ne t'offrirais pas des faux ongles? Mandy n'aime pas tricher. Le faux, c'est pas son genre. Viens travailler sur la chaîne de télé privée du lycée. Ils cherchent une nouvelle présentatrice. Et comme ils ne filment que le buste, personne ne verra tes mains. C'est une idée absolument fantastique. Après tout, c'est vrai que l'atout majeur pour réussir, c'est d'avoir un merveilleux visage. Génial. Viens vite signer ton contrat. Travailler dans un studio de télé? Ça m'intéresse, David, pas si vite. Arrêtez de traîner la jambe, mademoiselle. Dépêchez-vous. On fait de notre mieux, on tombe aussi vite qu'on peut, Gladys. Ravie de vous voir, les filles. Oh, vous cachez bien votre jeu, moi qui vous croyais ordonnée, quel bazar! C'est justement à propos de ce bazar que je vous ai convoqué. Il va falloir dresser l'inventaire de tous ces gadgets. Quoi? Depuis quand on est censé faire l'inventaire? On est des super spies maintenant. Et en plus, vous n'êtes pas tout seul, vous avez Gladys, votre assistante. Je ne suis pas une assistante. Je suis un gadget location assistance dépannage intelligence synthétique et dresser un inventaire est indigne de moi. La discussion est close, je ferai le point tout à l'heure. Par quoi on commence? Par ça? Oui, puisque c'est là. Joli bracelet multifonction, lunettes détecteur de mouvement thermosensible et sèche-cheveux pulse au cyclone 9000. Les lunettes détecteurs de mouvement, on doit les répertorier à D comme détecteur ou à L comme lunette? Oh, mais les AT comme très démodé, Sam. Oh, une console de jeu! Eh ben, il prend le temps de se distraire, notre Jerry. Interactif. Ce jeu vidéo me semble plutôt être un gadget de téléportation, Alex. Alors on ferait mieux de contacter Jerry pour qu'il vienne nous chercher. Génial, aucune fréquence. L'atterrissage a dû endommager nos coms poudriers. Bon, eh bien dans ce cas, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Rentrer à pied ou... Oh mais non, allez courir les magasins. Je l'avais jamais vue, cette boutique. C'est presque trop branché pour Beverly Hills. Mais si c'est ça la nouvelle tendance, alors j'assume. Comment se sentir parfaite si on a un ongle cassé? Tout à fait d'accord. Tout le monde sait que dans la vie, seules les apparences comptent. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est pas nouveau. Oh. Après tout, l'atout majeur pour réussir, c'est d'avoir un merveilleux visage. Oh, je cauchemarde où tout le monde ici tient le discours. Si on ne peut pas juger quelqu'un d'après les apparences, alors comment savoir avec qui sortir? Ne ratez pas ce soir l'édition spéciale de l'émission en direct. Le monde tourne autour de Mandy. C'est quoi ce délire? Attendez une seconde. Comment se fait-il que la chaîne privée du lycée diffuse à si grande échelle? Alors ça veut dire qu'elle est sur une chaîne nationale et qu'elle a sa propre émission? Oh, que c'est dur, que la vie est cruelle! Elle est aussi cruelle envers Mandy. On paraît toujours plus âgée à l'écran, mais elle, ça lui donne un de ses coups de vieux. Y a un petit souci, les filles. On n'est plus à Beverly Hills, il y a du changement. Ah!
Le gadget de Jerry n'était pas un téléporteur, mais une machine à voyager dans le temps. Alors on a fait un saut de 15 ans dans le futur, c'est ça? Non, de 20 ans. Oh, c'est pareil. Ma jeunesse est partie envolée. Atroce, tragique. Je sais qu'on dit que les années passent vite, mais à ce point-là... Oublie ça, tu veux. Il y a pire comme problème. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Mandy est devenue une méga célébrité. Il faut regagner le Whoop pour demander à Jerry de nous faire remonter le temps jusqu'à l'époque où Mandy était seulement... Oh. Mandy, pas une superstar admirée de tous. Erreur. C'est plus le même code. On nous refuserait l'entrée? J'aimerais bien voir ça. En tout cas, les accessoires continuent à faciliter nos interventions. C'est bizarre. Tout est recouvert de plastique. Ça me rappelle la maison de ma grand-mère. Gladys pourra nous dire ce qui se passe. Activons-la. Oh. C'est tout, elle. Ça s'arrangeait pour bugger quand on a besoin de ses services. On pourra peut-être la faire fonctionner à l'ancienne par commande digitale. Sam, Clover, Alex, que faites-vous là? Et comment se fait-il que vous ayez l'air si jeune? On a manipulé la machine à voyager dans le temps de Jerry et... Enfin, nous, on est ici. Mais où est passé le Whoop? Le Whoop, ça fait des années qu'il a fermé. Vous voulez dire qu'il a cessé toute activité? En un mot, oui. Et en plusieurs, on peut avoir des détails? Jerry se faisait vieux, il était fatigué, alors il a décidé de se faire cryogéniser. Son objectif était de se faire décongeler une centaine d'années plus tard, dans l'espoir que les progrès de la science permettraient alors de prolonger sa vie. Oh. 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 C'est impressionnant de voir ça. Non, c'est horrible. T'as vu ce teint grisâtre? Et puis il a d'énormes poches sous les yeux. Chut, sois plus discrète. Pourquoi je serais discrète? Il peut pas m'entendre de toute manière. Gladys, vous devez savoir comment revenir à l'époque où vous étiez l'assistante de Jerry. Je ne suis pas une assistante. Je suis un gadget location assistance dépannage intelligence synthétique. Et programmer une machine à voyager dans le temps est indigne de moi. Bon, toujours aussi susceptible, alors on fait quoi? On fait... Est-ce qu'on peut? On se débrouille toute seule. Ça va être galère, Sam. On veut revenir en arrière, mais pas régresser à ce point-là. Utiliser les futurs nous-mêmes, c'est pas régresser. On peut se faire aider par celle qu'on sera en 2025. Oh, mais c'est vrai, maintenant chacune de nous a forcément un double. Gladys, qu'est-ce qu'on est devenu? Vous avez continué à assurer des missions. Vous aimiez trop votre rôle de Spice pour y renoncer parce que Jerry avait pris sa retraite. Pas étonnant, on doit être extraordinaire. Bien, rendons-nous une petite visite à nous-mêmes. Oh, vous voyez ce que je vois? On vit toujours ensemble, hein, c'est beau. Non, c'est pathétique, parce que ça veut dire que passé la trentaine, on est toujours célibataires toutes les trois. On devrait entrer pour voir ce qui nous arrive. Apparemment, c'est nous. Et apparemment, on n'a aucune envie d'aller là où cette fièvre métallique veut nous emmener. D'accord, je me suis pas entraînée depuis plusieurs jours, mais c'est pas normal d'être aussi fatiguée. Oui, moi c'est pareil. C'est comme si j'avais couru le marathon des sols et j'ai même pas une nouvelle garde-robe. Ce bond dans le futur doit affecter notre structure moléculaire. Et à ce rythme, on ne sera pas longtemps opérationnel. Notre flux vital va être réduit à néant. Alors il faut qu'on s'arrange pour trouver au plus vite une solution. Oh. Trop sublime. Je me demande si je m'en voudrais de m'être emprunté cette robe. Oh, waouh, mes goûts ont changé en déco. Ça fait drôle, je me reconnais pas. Oh, Oli. Oh, si, je suis toujours moi, ça me rassure. Ah, ben voilà. Ça, c'est intéressant. J'ai hâte d'explorer ma mémoire. Voyons si j'ai toujours le même mot de passe. Ah. Bienvenue, Sam. Que je suis prévisible, c'est d'un monotone. Je changerai le code d'accès en rentrant. Voyons les fichiers que j'ai stockés. Email personnel et professionnel. Voyons le dernier dossier sur lequel j'ai travaillé. Émission de Mandy. Mandy? Clover, Alex, venez voir! Téléchargement. On a un dossier sur Mandy, regardez ça. Elle a débuté comme animatrice et elle a réussi à monter sa propre production. Mandy Media Entreprise à peine un mois plus tard. C'est vrai qu'elle est entreprenante, hein? Je crois qu'elle est plus qu'entreprenante. Pour nous, ça cache sûrement quelque chose de pas net.
Notre enlèvement, c'est elle qu'en a donné l'ordre. Oui, possible que ce soit l'œuvre de Mandy. Allons vite lui rendre une petite visite de politesse. L'importance du service de sécurité est à la hauteur de sa célébrité. Plus que Mandy et la modestie. Bonjour Mandy, vivre avec Mandy, docteur Mandy, Mandy Hills. Tout à l'heure, la pub n'annonçait pas qu'elle allait ce soir faire une émission spéciale en direct. Exact, et on va la lui saboter son émission. Bonne idée, Sam. Si on veut savoir ce qu'elle manigance, il faut plutôt chercher des indices. Bon, d'accord, dommage. Mis à part le culte obsessionnel de sa personne, tout ici me semble bien normal. Oui, rien de spécial. Mis à part la nature de cette caméra, c'est du jamais vu. Haute technologie. Hé, les filles. Il y a un mécanisme étrange à l'intérieur du châssis, comme une sorte d'émetteur. Et vous avez entendu? Il y a une pièce derrière cette paroi. Ces touches peuvent y donner accès. Essayons celle-là. Troisième essai. Ça y est. Vous avez vu? Quel affreux spectacle! Pourquoi Mandy nous impose-t-elle tout à coup la présence de ces hologrammes ridicules? Je n'en sais rien encore. Mais l'imitation est ratée, ça ne me ressemble pas. Mais je suis toi, tu veux rire, c'est moi. On est la même personne. La machine à voyager dans le temps de Jerry nous a envoyés dans le futur. Je ne me rappelle pas avoir vécu cette expérience. Si j'étais vraiment toi, je m'en souviendrais. Je comprends tout à fait ton raisonnement. Et je pense qu'à ta place, non, tout compte fait, non. Chaque nouveau cycle a un commencement. Nous, on le vit, et toi, tu ne l'as jamais expérimenté. Donc, tu ne peux pas t'en souvenir. C'est tout à fait nous, ça. On voyage dans le temps pour se sauver soi-même. On est extraordinaire. Bon, disons qu'on s'est retrouvés ici par accident, hein. Mais maintenant qu'on y est, on va sortir de cette histoire. Tout à fait, Sam. Mais avant de retourner la case départ, je veux savoir où j'ai acheté cette tenue si irrésistible. Clover, à ta place, je renoncerais tout de suite à m'habiller comme ça. C'est pas le genre de vêtements qu'on porte quand on a un certain âge. Croyez-moi, vous ne vous sentirez pas âgée quand vous aurez notre âge. C'est vrai, t'en es sûre? Oh, je me sens vieille rien que d'y penser. Je sais pas si j'aurai le courage d'avoir plus de 25 ans un jour. Si tu te décourages avant 25 ans, je ne pourrai pas non plus agir. Et si l'on est ainsi, nous ne pourrons pas empêcher Mandy d'hypnotiser les foules en diffusant son show dans tous les foyers du monde. Voilà à quoi sert cet émetteur. Elle hypnotise les gens par l'intermédiaire de ce dispositif. On doit interrompre la diffusion. Mais avant, il faut qu'on se sorte de là toutes les trois. Soyons prudentes, toutes ces parois sont électrifiées. Eh bien, eh bien, eh bien. Mais je vois que la nature nous a joué un mauvais tour. En double exemplaire, oui. Ton pire cauchemar. Ne crois pas ça. Rien ne pourra m'empêcher de mandifier la Terre entière maintenant. Quand tu dis mandifier, tu penses hypnotiser? Pourquoi se donner la peine de gagner ce qu'on peut prendre? Quand tous seront en adoration devant moi comme à Mandy Hills, je serai la personne la plus célèbre qui ait jamais existé. Profitez bien de l'émission. Je me suis toujours cru bien meilleur adversaire que ça. Désolée, ce voyage précipité dans le temps dérègle notre métabolisme. Notre énergie est en chute libre et bientôt nous n'aurons plus aucune résistance. Si nous ne sortons pas d'ici au plus vite, non seulement Mandy deviendra la plus grande célébrité mondiale en diffusant ses mandyismes, mais forcé de les regarder, on sera nous-mêmes hypnotisés. Et comment sortir d'ici? On ne peut même pas toucher les vitres. Ou si on le tente, on prend le risque d'avoir les cheveux électriques. T'as la même idée que moi en tête? Non, c'est toi qui as la même idée que moi en tête. Bon, quelqu'un va enfin me dire ce que les Sam peuvent avoir en tête. Les pulses au cyclone 9000, Alex. Pas question de toucher les vitres. On prendrait une décharge. Mais on peut les faire fondre. Sans même les effleurer d'un doigt. Ça me fait drôle de voir ça. Je craque.
Sauve-nous, même sans moi, s'il te plaît, sauve-nous. Moi aussi, je suis fatiguée. Vas-y pour nous deux. Vous retournez au Whoop, décongelez Jerry pour qu'il vous ramène dans le passé. On se chargera de Mandy. Merci. Je savais que je pouvais compter sur moi-même. Bienvenue dans l'émission. Le monde entier tourne autour de Mandy. Mon invité de ce soir n'est autre que moi. Parce que quand on est parfaite, qui tiendrait la comparaison? Je suis là pour vous convier dans mon monde parce que me ressembler peut être bientôt à votre portée. Émission annulée, désolée. C'est pas gagné. Mais je suis la plus grande méga célébrité du monde. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Navré, tu commençais à devenir un peu lourde. Ils décongèlent? Ou ils font? Quoi qu'ils fassent, qu'ils se dépêchent parce que j'ai plus de force. J'ai les tibias tout flagada et un coup de mou dans les genoux. Quoi? Non, sapristi, je voulais être réveillée dans le futur, pas dans le passé. Mais vous êtes dans le futur et nous aussi on y est en quelque sorte à cause de votre machine à voyager dans le temps. Mais techniquement vous êtes dans... Enfin bref, tout ce que je sais c'est qu'on veut rentrer chez nous maintenant. Alec, vous êtes en train de me dire que la machine a fonctionné? Eh oui, vous voyez, vous ne savez même pas à quel point vous êtes doué. C'est une honte d'avoir pris votre retraite. Merci, Sam. Mais alors, quelle mine. Vous êtes toute chiffonnée. Plus que ça, même. Mettez la gomme, Jerry, ou on aura peut-être plus la force de faire le voyage. Compris. Bon, alors, agissons. Où ai-je pu mettre cette fichue machine? Enfin, je ne l'ai jamais utilisée, alors je ne sais plus où elle est depuis des dizaines d'années. Oh, puis-je me permettre de vous suggérer de chercher dans le fichier des gadgets non utilisés? Permettez-vous. Elle est dans la réserve référence XT-923. Apportez-la moi, Gladys. Apporter est indigne de moi, Jerry. Gladys! Bon, demandez comme ça. Oh. Oh, ça fait plaisir de vous voir sur pied et décongelé, Jerry. Clover, Sam, Alex. On a stoppé l'émission, mais on ne pouvait pas se quitter comme ça sans se dire au revoir. Et pour les dommages qu'elle a déjà causés? Oh, tu sais que les fans sont inconstants. Ils seront tous au pied de quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Elle a raison! Nous allons la stocker dans le placard technique. Génial, cette nouvelle installation. De quand elle date? Je pense que je l'ai conçue et réalisée en 2010. Vous savez, ça m'a fait du bien de voir tant d'espionne en effervescence. Je me sens péchu comme si j'avais 20 ans de moins. Je crois que je vais rouvrir le Whoop. Oui, génial. Bravo, Jerry. Bravo. Ce n'est pas parce que vous reprenez du service que vous allez me mener à la baguette, Jerry. Tout redevient comme avant. Peut-être qu'Alex a raison. Il doit y avoir plus adapté à notre âge comme tenue. Merci, c'est bien d'être honnête envers soi-même. Bon, allons-y les filles. Vous êtes prêtes? Au revoir. En paresse, je croyais que vous auriez bien avancé, mais je suis déçu. On vous expliquera, Jerry. Il faut qu'on file pour modifier le futur. Modifier le futur? Mais de quoi parlez-vous, mademoiselle? Pas de question. On a besoin d'aide. Essayez de me trouver un gadget qui puisse faire vite repousser les ongles. Une minute. Je pense avoir quelque chose. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup. C'est étonnant, mais tout à coup, vous faites 20 ans de moins, Jerry. Attention, les filles, la voilà, on y va. C'est toi qui vas devenir la meneuse des pom-pom girls. Tu es sûre d'avoir cet honneur, Clover? Bien sûr qu'elle va le devenir, Alex, puisque Mandy ne fait plus partie de l'équipe.
Heureusement qu'elle ne mettra jamais la main sur mon vernis à ongles spécial repousse éclair. Salut Mandy. T'as intérêt à te dépêcher, sinon tu vas louper ton audition. J'ai mieux à faire que de présenter une stupide émission pour la chaîne du C. J'ai récupéré ma forme, j'ai d'autres projets. Après tout, il n'y a que les apparences qui comptent. Et voilà, plus d'histoire. Tout est enfin redevenu normal. Bah alors pourquoi on saute pas de joie? Parce que changer le cours de l'histoire n'est pas si simple que ça, Alex. C'est vrai, espérons que rien ne poussera à nouveau Mandy ou qui que ce soit d'autre dans cette direction dangereuse. Salut Clover. Tu sais, tu devrais passer l'audition pour la télé. Moi? Devenir une célébrité? Tu penses qu'on diffusera mon émission dans tout Clover Hills? Non merci, ça nous l'intéresse.